Hello, bonjour, je vais parler de la famille royale, on va parler de Meghan Markle, on va parler du roi Charles. Donc vous vous souvenez que Meghan Markle avait été critiquée parce que c'était quelqu'un qui travaillait énormément et qui, d'après les critiques de certains journalistes, hein, envoyait des emails à 5 h du matin à ses assistantes, sachant qu'un email peut être envoyé sans que vous n'ayez besoin de lire, mais les assistantes disaient qu'elles étaient trop stressées pour ne pas lire et ça faisait de Meghan Markle une personne trop autoritaire, une personne trop exigeante, n'est-ce pas? Ça dépeignait comme une mauvaise employeur qui demande trop, plus que le nécessaire à ses employés. Ça, c'était la note sur Meghan Markle qui courait et qui faisait qu'on la crucifiait dans les médias. Ils appelaient ça en fait du harcèlement parce qu'on envoie juste un email à 5 h du matin. Un email, je rappelle, qui arrive dans un inbox, hein, dans une boîte auquel les employés ont accès, peuvent avoir accès plus tard. N'est-ce pas? Donc, ça lui a valu ces critiques-là. Or, il y a un article qui est sorti il y a quelques jours de cela, un article sur une femme dont j'ai parlé dans une de mes vidéos. Elle s'appelle Sophie Winkleman. C'est la belle-fille du cousin de la reine d'Angleterre. Et elle parlait du roi Charles, une interview dans laquelle elle revenait sur son rôle dans la famille royale. C'est un membre royal par alliance. Elle disait que le prince Charles était quelqu'un qui travaillait dur et qui se levait d'ailleurs à 4 h du matin pour écrire des lettres. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, il se lève à 4 h du matin pour écrire des lettres. On dit que c'est bravo, c'est parfait, c'est génial. Or, Meghan Markle, qui se lève à 5 h du matin pour envoyer des emails qui vont dans une boîte, là, on la crucifie. Pour Meghan Markle, on a fait passer ça pour du harcèlement parce que, soi-disant, oui, elle n'aurait pas dû envoyer les emails à cette heure-là. Or, d'habitude, les gens qui ont leur propre compagnie ou qui travaillent pour eux ou alors qui ont un emploi différent, des patrons, on va dire entre guillemets, travaillent souvent très tard ou se lèvent très tôt pour répondre à des emails ou envoyer des emails. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, quand il s'agit de ça, ben, c'est mauvais. Et quand il s'agit du prince Charles, oh, c'est tout à fait bien, c'est génial, c'est un très bon travailleur. Ici, c'est pour vous montrer le double standard. Hein. Je ne sais pas ici de me plaindre ici pour Meghan, mais c'est pour montrer le double standard. Quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, je vais toujours le documenter, je vais toujours l'interpeller parce que les gens ont la mémoire courte et pour qu'ils n'oublient pas que, en fait, Meghan Markle était critiquée pour les mauvaises raisons, je vais tout le temps rechercher ce genre de preuves que je publierai. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.